Bonsoir, merci de nous rejoindre à la une de ce journal. Vidéo attentatoire au symbole de l'État algérien. Le ministère des Affaires étrangères convoque l'ambassadeur de l'Union européenne à Alger. Un dossier agriculture, Attaref voit très grand et s'essaye avec succès à toutes les cultures. Nous serons aussi à Mascara, où la localité de Bni Chougrane, grande productrice de petits pois, est à la recherche de marchés hors wilaya. Le docteur Mokrani, un dentiste au grand cœur, il partage depuis 26 ans Ramadan avec des enfants sourds-muets et des personnes dans le besoin. Il cuisine, veille sur chaque détail. Il est le dernier à passer à table. Un reportage dans ce journal. Vidéo attentatoire au symbole de l'État algérien. Je vous le disais, le ministère des Affaires étrangères convoque l'ambassadeur de l'Union européenne à Alger. En effet, l'ambassadeur de l'UE à Alger, John O'Rourke, a été convoqué au siège du ministère des Affaires étrangères par le secrétaire général du ministère, Nourdine Ayadi, suite à la diffusion à Bruxelles d'une vidéo attentatoire au symbole de l'État algérien. Le haut responsable algérien a à cette occasion relevé avec indignation et réprobation que l'enregistrement par la dénommée Madame Lefebvre, née Haddad, ressortissante belge d'origine algérienne, a été réalisée dans des installations officielles du Parlement européen, utilisant ainsi et détournant abusivement des symboles de l'Union européenne pour porter gravement atteinte à l'honneur et à la dignité des institutions de la République algérienne. Il a en conséquence exprimé le vœu que l'Union européenne se démarque publiquement de cette manœuvre et demander que des actions concrètes soient prises contre les agissements irresponsables de la contrevenante, note le communiqué des affaires étrangères. Il convient de rappeler que l'ambassadeur d'Algérie à Bruxelles a déjà eu à effectuer, sur instruction du ministère des Affaires étrangères, des démarches urgentes auprès des institutions compétentes de l'Union européenne. Un avion militaire de type Hercule C-130 sans passagers a fait l'objet ce dimanche d'une sortie de piste de la base aérienne de Biskra, a indiqué le ministère de la Défense nationale. Cela s'est passé lors de l'atterrissage. Cette sortie de piste a causé de légères blessures aux membres de l'équipage qui ont été immédiatement pris en charge, en plus de dégâts matériels à l'aéronef, précise la même source. Cet effet, le haut commandement de l'armée nationale populaire a ordonné l'ouverture d'une enquête en vue de déterminer les circonstances exactes ayant entouré cet accident, souligne encore le ministère de la Défense nationale. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temar, qui s'est réuni aujourd'hui avec les directeurs de Wilaya, a insisté sur l'importance du choix des promoteurs immobiliers et l'élaboration d'une fiche technique pour mieux suivre les projets. Abdelwahid Temar a parlé de 16 000 logements en retard à cause de la négligence justement des promoteurs et des responsables locaux. Reprise des travaux du projet des 106 logements LPA du Fonds de péréquation des œuvres sociales de Tindouf. Une reprise à la faveur de mesures d'urgence prises pour rattraper le retard enregistré. Le reportage de Fatma Zahra Benfarjadla sur un commentaire de Nour Lalarbi. Payer les entreprises et accélérer la cadence des travaux, des mesures qui ont pour but de livrer ou plutôt les 106 logements LPA du Fonds de péréquation des œuvres sociales de Tindouf. Nous effectuons une visite d'inspection pour nous enquérir de l'état d'avancement des travaux. Ce projet de 106 logements LPA a certes pris du retard, mais vous remarquerez que les travaux ont repris et cela nous rassure. Nous n'avons aucun problème de paiement des entreprises, d'ailleurs nous ne payons pas ces dernières. Nous recourons à d'autres moyens pour ce faire.
Nous avions un problème pour financer ce projet. Les entreprises n'étaient pas payées. Nous avons fini par régler ce problème grâce au AFENPOS. Depuis, le projet avance, notamment grâce à l'implication des parties concernées qui veillent au grain. Le plus gros des requêtes que nous avons réglées concerne le défaut de paiement. 195 cas ont été traités depuis 2015 à ce jour. Nous avons sinon d'autres demandes à traiter. Pour ce qui est des aides financières octroyées par le Fonds de péréquation des œuvres sociales, la demande a, semble-t-il, sensiblement augmenté ces dernières années. À Sidi Bel Abbès, dans le domaine du développement de nouveaux projets d'investissement réussis, l'entreprise Eni s'est lancée dans le domaine des TIC, dans l'assemblage des unités électroniques et la fabrication des tablettes grâce à sa jeune équipe qualifiée. Selim Kasser. Avec des compétences non négligeables, les jeunes employés de cette entreprise ont mis les bouchées doubles pour relever le défi et placer leur entreprise parmi les leaders dans le domaine. Nous avons la production journalière, 1000 produits par jour. Nous avons E5 ou E7. Nous avons E4. On dirait tout type d'assemblage de cartes électroniques. Ou alors une partie autre, c'est l'assemblage des les produits finis. Pour les cartes électroniques, les toutes les dimensions. Quadrat l'intégrité, elle fine carte finale. Ou quadrat l'assemblage, il y a 500 unités par chaîne. Grâce à une bonne productivité et la mise en œuvre d'un plan de développement, cette entreprise a pu s'imposer sur le marché de l'électronique, ce qui lui a permis de se lancer dans d'autres activités. Une valeur ajoutée dans la politique de diversification de l'entreprise et de l'intégration, ce qui permettra sans aucun doute à celle-ci de faire un bond en avant et devenir un pôle incontournable dans le domaine et favoriser l'emploi et le développement de toute une région. Un dossier agriculture dans ce journal et on commence par ces grandes quantités de petits pois produites à Bni Chougrane dans la wilaya de Mascara et que les producteurs ont du mal à écouler. Avec 8000 hectares réservés à ces cultures, la région s'est littéralement spécialisée et elle est à la recherche de nouveaux marchés hors wilaya. Le reportage de Amélie Seridier. Depuis quelques années déjà, la région de Bni Chougrane à Mascara a pu se placer parmi les leaders dans la production de petits pois grâce à la volonté et à la détermination des agriculteurs malgré quelques difficultés. Le problème de commercialisation notamment. Il paraît que le rendement est bon cette année. Effectivement, la production est bonne et nous avons plusieurs variétés. Vous savez, c'est un bon produit. Oui, mais nous avons toujours le problème de commercialisation. Pourquoi vous ne placez pas votre production dans des chambres froides, même dans d'autres wilayas, à Blida ou à Oran par exemple? Mais à Mascara, nous n'avons pas de chambres froides, alors que le rendement dépasse parfois les 20 quintaux à l'hectare. Nous avons un grand problème de commercialisation. La qualité est là et le rendement est bon. Mais on n'arrive pas à écouler la production. Avec une production record de plus de 128 000 quintaux de petits pois à la mi-saison, la wilaya de Mascara ne compte pas s'arrêter là. Agriculteurs et pouvoirs publics sont déterminés à développer la culture de ce légume et passer à l'exportation. Nous avons une superficie de 8000 hectares et une bonne qualité de petits pois. Concernant le problème de commercialisation, je viens de demander aux agriculteurs de faire la vente au niveau des autres wilayas. Même par rapport aux chambres froides, il faut que les agriculteurs voient grand et cherchent d'autres marchés dans d'autres wilayas. Et vu que notre wilaya dispose d'un aéroport, nous allons même passer à l'exportation. Avec un potentiel agricole considérable et une bonne qualité du produit, Mascara célèbre depuis l'année dernière la fête du petit pois. Un rendez-vous incontournable pour les professionnels qui favorise le contact direct entre les producteurs et les commerçants.
Autre région où l'agriculture est en plein essor, c'est bien à Taraf. Les terres sont fertiles dans cette région, l'une des plus arrosées d'Algérie, d'où le nombre croissant des agriculteurs et des partenariats publics-privés. Tomates, semences de blé, légumineuses, agrumes, à Taraf voit très grand, comme nous allons le voir avec Manel Boutouaba. Les autorités d'At-Taraf accordent une importance toute particulière au secteur de l'agriculture, considéré comme la colonne vertébrale de l'économie locale ici, avec 60% de la superficie de la wilaya consacrée au secteur. Il faut dire que dans le domaine, elle a tout pour elle, terre fertile et pluviométrie record. Les exploitations agricoles s'y multiplient à vitesse grand V, fruit pour la plupart de partenariats publics-privés, ce qui a permis de moderniser le secteur. Un boom est constaté dans la branche des agrumes notamment. Au courant de ces quatre derniers mois, nous avons planté 33 hectares d'agrumes comme le citron et la clémentine. Pour moi, l'agriculture est vitale. Elle est le vrai pétrole de l'Algérie. J'appelle tous les jeunes qui me regardent à s'intéresser à ce secteur et je leur souhaite de réussir, autant, voire plus que moi, car l'agriculture est l'avenir de notre pays. La région compte également chaque année une production record de tomates industrielles et se lance dans la nouvelle aventure de production de semences de blé. Nous tablons sur la céréaliculture et la production de semences car nous avons par an des pluies qui peuvent atteindre les 600 mm. Nous n'avons donc pas besoin de systèmes d'irrigation supplémentaires. Si la capacité de production des usines de transformation est augmentée et qu'elles peuvent dans un avenir proche absorber toute la production, nous pourrons alors atteindre les 600 hectares de surface agricole exploitée. Autre défi que se fixent les autorités locales ici, développer la branche des légumes secs qui n'en est qu'à ses premiers balbutiements, mais promet des résultats assez satisfaisants à l'avenir. Dans les prochaines années, il est prévu de réserver plus de 200 hectares à la culture des lentilles et des pois chiches. Une véritable révolution est en marche à Taraf. La politique de redressement du secteur agricole lancée il y a quelques années déjà commence visiblement à porter ses fruits. Difficultés, de grosses difficultés en revanche pour les agriculteurs de Taman Rasset. La saison s'annonce mauvaise, la sécheresse a tout détruit. Les exploitants agricoles ne trouvent plus de ressources pour irriguer leurs terres. Un plan d'urgence a été mis en place par les autorités locales. Nesrine Ben Saidi. Sécheresse, une récolte quasi inexistante. Dans ces champs de céréales, il ne reste plus rien. La majorité des exploitations agricoles ont été endommagées par la sécheresse qui s'est abattue cette année sur la région de Taman Rasset. Les agriculteurs parlent de la pire des saisons. Nous n'avons pas le barrage, c'est la principale raison. Comme vous le voyez, il ne reste plus rien. La majorité des agriculteurs ont déserté leurs champs. Parce qu'on a des bassins d'eau, il faut directement aller à la nature de l'essence. Ils ne sont pas utilisés pour les barres ou les animaux. Le plus important, aujourd'hui, c'est qu'on a des barrages ou des retenues d'eau. L'effondrement des barrages, l'absence de puits artésiens et l'utilisation des techniques traditionnelles pour l'irrigation n'ont fait qu'aggraver la situation dans la région. Avant, j'avais un puits qui alimentait mes champs. Il a tenu 10 ans. Cette année, il n'est plus fonctionnel. Je n'arrive même pas à faire sortir un mètre cube par jour. J'ai essayé de creuser un autre puits plus haut, mais je n'ai rien trouvé. Pour sauver ce qui reste de cette saison, les autorités locales de la région ont mis un plan d'urgence, et ce, en essayant de creuser des puits à proximité des Oueds. Nous avons collaboré avec les services d'irrigation et des ressources en eau afin de trouver les endroits où il y a de l'eau souterraine pour creuser des puits. Nous allons donner des permis pour ça. Nous allons aussi orienter les agriculteurs quant à la bonne utilisation de cette eau. La majorité des agriculteurs ont déserté leurs champs. La wilaya ne peut plus répondre aux besoins en matière de fruits et légumes et même de céréales. Les habitants de la région craignent le pire face à la flambée des prix. Yeah.
Solidarité, un formidable élan qui prend tout son sens durant ce mois de Ramadan. Les initiatives sont nombreuses, les tables du partage sont dressées un peu partout grâce à de généreux bienfaiteurs et à des bénévoles dévoués. Voici une belle illustration, tout en sourire, celle du docteur Mokrani, un dentiste hors pair. C'est à Burj Bouarerij et c'est un reportage de Nejma Harch. Durant chaque mois de Ramadan, Mohamed Mokrani troque sa blouse de dentiste pour un tablier de cuisine. Et comme tous les soirs, le menu s'annonce des plus appétissants, dignes de la grande restauration. Tous les jours, on a quelque chose. On a un jour le riz, un jour c'est des petits pois, un jour c'est des pâtes. Chaque jour, on a un menu. L'infatigable bénévole revient chaque année dans cette école de sourds-muets au centre-ville pour assurer des repas chauds aux plus démunis, mais aussi pour les enfants de l'école. Fut un temps où on préparait 3500 repas jour. Nous étions les seuls restaurants. En attendant la cuisson des plats, Mohamed Mokrani profite pour passer les commandes du lendemain. Il doit livrer des denrées alimentaires aux écoles coraniques. Demain, ils doivent venir récupérer leur quota. Leur quota de viande, de pâtes, de riz, tout ce qui est nécessaire pour le préparer. Là, c'est prêt. Si vous voulez goûter, il n'y a pas de problème. Il ne reste pas beaucoup de temps. Il faut aussi commencer à préparer les repas à emporter. Nous, c'est des gens qui viennent, qui ne peuvent pas venir à l'année. Le Resto du Cœur, c'est sa deuxième famille. Depuis des années, El Hajj Mokrani ne passe plus Ramadan avec les siens. Depuis 1992, ça veut dire 26 ans. Un élan de solidarité né grâce aux bénévoles, aux bienfaiteurs, mais aussi à la générosité collective. D'abord, je voudrais remercier les bienfaiteurs et en plus de ça, les gens qui nous ont soutenus et encouragés. En premier, ça a été M. le Wali Benar. Après lui, il y a eu M. Bouazgui. Et après M. Bouazgui, il y a eu M. Bedoui. Et je les remercie du fond du cœur. Et quel est votre sentiment après un mois de Ramadan, quand vous aurez fini tout ça? Comment vous êtes? En toute honnêteté, j'aurais voulu que ça dure un peu plus, beaucoup plus qu'un mois, parce que vraiment nous ne sentons pas le temps passer. Et puis, après une année, lorsqu'on revient, on a l'impression qu'on n'a pas quitté l'école. Wallah bien, wallah, الناس كانوا مساكن ما عندهمش من يفطروا, surtout les transitaires ولا يجيو يفطروا. حنا بادرنا بهذا العمل الخير في مصلحة الزوالي والبلاد. الحمد لله راهي لاباس, الحمد لله الجو يعني اخوي. Encore quelques minutes avant la rupture du jeûne, les bénévoles dressent les tables. Une organisation millimétrée et c'est le chef cuistot qui se charge du service. Au moment d'Elftor, le succès est garanti. Son secret réside dans le dosage des ingrédients, de la joie et de la bonne humeur, parsemés avec beaucoup d'amour. Ne dit-on pas que chaque amour semé fleurira tôt ou tard? Quelle belle image de Ramadan, une générosité qui force le respect. Lutte antiterroriste, le MDN annonce qu'un détachement de l'ANP a découvert, suite à une opération de fouille et de recherche menée hier à Skikda, 5 abris pour terroristes contenant 7 obus, 2 mortiers de calibre 60 mm, un fusil à pompe, 3 bombes de confection artisanale, 110 litres de produits chimiques, de l'ammonitrate qui entre dans la fabrication d'explosifs, ainsi que 1131 balles de différents calibres, des outils de détonation, des plaques photovoltaïques, une importante quantité de vivres, de médicaments, de vêtements et divers objets, précise le communiqué du ministère de la Défense nationale.
Assemblée générale ordinaire du COA, le comité olympique algérien, hier soir. Le footballeur Antar Yahia et l'escrimeuse Feriel Salhi ont été décorés de l'ordre du mérite olympique algérien. Ces distinctions ont devenu une tradition de l'instance olympique qui rend ainsi hommage aux sportifs qui ont dignement représenté l'Algérie. Hakim Keshroud était présent pour Canal Algérie. C'est dans une ambiance bon enfant que le comité olympique et sportif algérien a tenu son assemblée générale ordinaire. Les travaux de la GIO ont été rehaussés par la présence de plusieurs personnalités, dont le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Mohamed Hattab, le ministre des Transports et des Travaux Publics, M. Abdelrani Zanen. À l'ordre du jour de cette assemblée générale, l'approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 29 avril 2017, la présentation et l'approbation du rapport moral et financier de l'exercice 2017, ainsi que le programme d'activité 2018 et de son budget prévisionnel. Vous avez pu constater l'ambiance fraternelle qui règne actuellement dans le mouvement sportif et olympique algérien. Et nous avons eu l'honneur de recevoir M. le ministre de la Jeunesse des Sports et M. le ministre des Transports et des Travaux Publics. Cet événement qui a permis de décerner l'ordre du mérite à M. Antar Yahia et Mme Salhi Feriel, qui est une grande pionnière du sport algérien, en particulier de l'escrime. Il y a un climat de réunification du mouvement sportif que nous avons enclenché, que nous avons fermement et soigneusement entretenu. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le sport algérien est prêt à enclencher une nouvelle dynamique pour les résultats que l'on attend de nos athlètes. À cette occasion, une élection partielle de remplacement des membres de l'Assemblée générale a eu lieu avec l'intronisation de 3 membres conformément au principe de la parité, notamment dans le sens de la recommandation 11 de l'agenda 2020 qui favorise l'égalité des sexes. Il s'agit de la nomination de Khalili Mas'ouda athlétisme, Djaboub Nassera athlétisme et Lafri Nadia volleyball. Une communication a également été présentée sur les préparatifs des Jeux africains de la jeunesse, les JAJ 2018, les Jeux méditerranéens de Tarragone qui se dérouleront en Espagne en ce mois de juin, les Jeux olympiques de la jeunesse, les JOJ de 2018 et les Jeux méditerranéens qu'abritera la ville d'Oran en 2021. Le trophée de la Coupe du monde de football est arrivé ce dimanche à Moscou, 11 jours avant le coup d'envoi du mondial. Le trophée est après un périple à travers 50 pays depuis septembre dernier et depuis le 1er mai, un tour de Russie, 24 villes russes au total. Fin de ce journal, le rappel des principaux titres. Vidéo attentatoire au symbole de l'État algérien, le ministère des Affaires étrangères convoque l'ambassadeur de l'Union européenne à Alger. Un dossier agriculture, Attaref voit très grand et s'essaye avec succès à toutes les cultures. Nous étions aussi à Mascara où la localité de Bni Chougrane, grande productrice de petits pois, est à la recherche de marchés hors wilaya. Le docteur Mokrani, un dentiste au grand cœur, il partage depuis 26 ans Ramadan avec des enfants sourds-muets et des personnes dans le besoin. Il cuisine, veille sur chaque détail et il est le dernier à passer à table. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur les www.entv.dz, la page Facebook et la chaîne YouTube de Canal Algérie pour le journal à 19h, l'édition en arabe. Demain à midi, Friel Assari. Nous, on se retrouve à 18h. Et je vous laisse avec Mounir Laradj et l'émission C'est à nous. Je vous dis sahaf torkom et passez une bonne soirée.